Bonjour, bonsoir, bienvenue sur ce nouvel épisode sur Don Hoffman. Donc, on va continuer dans l'épisode précédent, on avait fait de la domestication. Hein. Je vous rappelle, on a maintenant des chèvres et des moutons. Et on avait développé ici, au niveau du savoir, la connaissance du flax, justement, pour pouvoir faire nos vêtements. Donc, la prochaine étape va être... ici, pouvoir commencer à faire des autres vêtements que ceux que l'on fait en ce moment. Mais bon, on a 25 vêtements, 34 personnes. Il va falloir partir à la chasse pour avoir du tissu. On va en profiter pour prendre des nouveaux moutons directement. Là, vous voyez, ceux-là, on est obligé de les chasser, les parents. Là, on a de l'ibex. Toi, on va te prendre... et on va aller chasser un petit peu pour récupérer du cuir. Ce voilà, pour l'instant, c'est pas encore optimal pour le cuir. Ça va venir avec notre élevage, hein. On va avoir plus de cuir, ça c'est pas un souci. Voilà, maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir s'attaquer à celui-ci. Toi, t'attraper. Ok, ça c'est fait aussi. Est-ce qu'on a autre chose dans la région qu'on pourrait chasser? Non, pas dans la région, il faut aller plus loin. Voilà, on va aller chercher le bison. Et on continue à se développer. On avait un champ ici de flax qui sera planté pour l'année prochaine. Et là, on a les connaissances qu'il faut. On a déjà de la laine. Donc, on va pouvoir lancer ceci pour pouvoir faire des nouvelles constructions ici en production. Donc, hop, on va lancer. On va mettre ceci d'abord. Où est-ce qu'on pourrait le mettre? Ça, c'est toujours le problème. C'est de trouver la place maintenant. Donc, hop, on va le mettre ici. Et les vêtements, on va les mettre là. Voilà, on reprend un point de savoir. Les points de savoir viennent un petit peu plus vite maintenant. On va te réparer. La flint, ils viennent la chercher par ici maintenant. Bon, des arbres, on en a encore en masse. C'est l'avantage de cette période. Hein, où on ne va pas commencer à détruire toutes les forêts. Trente-sept personnes. Voilà, et ici on va pouvoir faire avec de la laine et du fil. Sauf qu'on n'a pas encore de fil, parce qu'il nous faut du flax pour ça. Et là, il resème le champ pour l'année prochaine. Encore un point de savoir en plus parce qu'on a eu 250 viandes. On a atteint un nouveau palier. Là, il me manque 3 bois et je n'ai pas le bois. Donc, je vais devoir aller couper des arbres. Donc, hop, on va passer par là pour les arbres. Et on a un trader qui est arrivé. Qu'est-ce qu'il nous propose?
la domestication ici, mais à 200. Le problème, c'est que je n'ai pas énormément de ressources pour lui, donc je ne saurais pas le faire. Niveau vêtements, on est bon, on en a 37 pour 37 personnes. Un petit peu les arbres qui est autour. Voilà, on a les troncs qu'il faut. Nourriture, poisson, tout ça, on est tranquille. Voilà, ils sont en train de construire. Il nous manque un vêtement. On a 5 tissus. Donc on va regarder un petit peu ce que ça nous donne au niveau des vêtements. Voilà, celui-ci un petit peu moins et celui-ci mieux. Donc hop, on en fait 5. Au niveau des étables, là on a 3 moutons, une chèvre. Et là, 4 chèvres, 5 chèvres et 4 moutons. Quand on a 7 et 7, 14 si on a la place pour 20. On est quand même tranquille à ce niveau-là. Donc on va pouvoir leur faire des vêtements encore plus chauds. Ceci, les vêtements, vous voyez, warm, c'est 2. Niveau de la chaleur. Et on va commencer à emmagasiner les points. Pour le passage suivant, à moins que, bah oui, pour faire les ânes ici, pour transporter les marchandises, c'est ce que je disais hein, dans une vidéo précédente, que c'était dommage qu'on ne l'ait pas. Ouais, on va pouvoir avoir des vaches, on va pouvoir avoir des cochons. Les cochons, ça pourrait être intéressant pour la viande et le cuir. Hein. Et là, il va nous falloir 20 points pour passer au niveau suivant, mais d'abord 7 points pour avoir du copper, du thym et de l'iron. Voilà, le flax est en train d'être fait. Voilà, on a eu les 10 Woolfit. Wool Outfit, pardon. Donc voilà, là on est bien, c'est vraiment survivre au raid pour l'instant hein, qu'on va devoir faire. On a de plus en plus de ressources, hein. Si vous vous souvenez ce qu'on avait au début et ce qu'on a maintenant, la différence est quand même assez grande. Et là, que fait-on? Est-ce qu'on se lance dans les cochons ou pas? Si on se lance dans les cochons, il va falloir faire de la place ici. On va abattre quelques arbres encore. Hein. Et justement, au niveau des cochons, on est au niveau néolithique, pic domestication, les pics. Ben c'est les sangliers et ça va nous rapporter de la viande, de la peau, des os et il nous faut des grains pour eux. Faire attention de ne pas tomber dans l'excès. Donc on va peut-être plus débloquer ceci pour commencer à avoir du copper, de l'iron. Les premiers outils vont être en quoi? En copper. Premiers outils vont être en copper. Allez, il faut le copper smelting hein, pour ça. Donc il faut qu'on monte à 20 points. J'espère qu'on va monter à 20 points dans cette vidéo.
on peut toujours pas le faire, hein. Ici, on avait des mines de flint. Ah, le mégalithe ici, on pourrait l'avoir. Est-ce que je peux prendre le flint qui est là? Non, toujours pas. Toujours pas. Donc on a débloqué quelque chose qui nous permet de ne rien faire. Ah, le trader. 200 points. Faudrait 20 vêtements comme ça. Ceci, je le claque, il me monte à 300. Donc il me faut beaucoup, beaucoup plus de vêtements. Tout va arriver tranquillement. Encore un point de savoir. On capture. Capture un max. Sont les ânes. Donc on ne peut pas les prendre, les ânes, pour l'instant. Et par ici. Est-ce qu'on a quelque chose? On a un ours. On a des ânes. Oui, non, on va pas se casser la tête pour l'instant. On va revenir ici. Le flax, on l'aura après. Donc ça, chose positive aussi, c'est qu'on n'a pas besoin de se casser la tête pour les graines, hein. Les graines, on les a d'office. Et par contre, on n'a plus beaucoup de stro, hein. On va avoir deux champs là de stro. Trois champs, donc ça va aller. Ça va aller, on va avoir les champs qu'il faut pour ça. 26 vêtements, bah donc voilà, pour les vêtements, on est tranquille. On n'a plus besoin du cuir. On est dans l'autosuffisance. Niveau nourriture, on est toujours bon, hein. Nouveaux humains, 38 humains. Il y en a la place pour 36. Donc on va reconstruire de nouvelles huttes. Voilà, de nouvelles huttes ici, 15 animaux, 22 places, tranquille. Ils vont réguler eux-mêmes la population comme on a pu le voir, hein. Ils tuent les animaux quand ils sont trop vieux. Voilà. Les cerfs qui sont passés. Nouvelle naissance. Et là maintenant on a la place pour monter. Toujours 40. Voilà, on peut monter à 44 personnes. Va nous donner de la main-d'œuvre un petit peu, hein. Bon, le menhir, où est-ce qu'il était? Voilà, il est ici. Préparer pour le transport.
on est juste en cuir. Nouvelle chèvre, on a 9 chèvres, 7 moutons. Là, on a un loup. On va aller le chercher, ce loup. Non, un lion. Excusez-moi. À chaque fois, hein, dans l'épisode précédent, c'était la même chose. Je confondais loup et lion. C'est quand même un prédateur, voilà. Prochain coup, je dis juste un prédateur. Et là, un cerf. Ça nous fera du bien, un petit cerf. La maman de Bambi aussi. Ok, 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 on est monté à 8 points, on pourrait commencer le cochon, on pourrait faire la poterie qui va nous amener ici, mais ça ne nous intéresse pas pour l'instant. Voilà, on a ce qu'il nous faut. Et les vêtements se produisent, la paille arrive. Plus d'animaux dans le coin. C'est là-bas, mais bon. Le mouflon. Viens ici, petit mouflon. Bon, niveau vêtements, on voit que maintenant on va être bien. On va être bien niveau vêtements. J'espère qu'avant la fin de la vidéo, c'est-à-dire dans un petit quart d'heure, on sera passé un niveau encore au-dessus et qu'on va enfin atteindre l'âge du fer. Enfin, non. L'âge du copper, l'âge du cuivre, l'âge du bronze et puis l'âge du fer. Sans pouvoir débloquer ceci, on aura la fournaise, charcoal, copper mine, bronze, smelt. Ouais, on va débloquer pas mal avec ça. Faire attention de ne pas claquer nos points trop vite, justement. Je regarde niveau nourriture, on est tranquille, mais vraiment tranquille. Pas besoin de les faire courir. Lui, il a été préparé très bien. 3 moutons en plus. On est à 20 animaux. On va pouvoir commencer à liquider du mouton. Ils refont les plantations. Allez, plus que 10 points. Alors, adulte femelle, jeune mâle. Donc rien à tuer là-dedans. Adulte femelle, jeune mâle, jeune femelle, adulte mâle, adulte femelle. Donc rien à zigouiller. Et on a atteint la limite au niveau des animaux.
est à 10 points. Il nous en faut encore 10. Hein. Bon, là, au niveau de l'eau, on avait mis une limite à 20. On a monté la limite à 30. Et on voit que le petit village s'anime quand même. Hein. C'est assez sympatoche. Alors, niveau spirituel, il m'en faut 3 et là, il m'en faut 6. Il faudrait que j'en trouve 2 autres. Et 2. Et il va me falloir le leather pour y aller. Alors, le leather, on faisait... Je ne sais plus. Je ne sais plus, je ne sais plus, je ne sais plus. Je l'avais bloqué, hein. J'avais bloqué le laser. Ici. Fallait de la peau rouge. Et pour obtenir... Non, il me fallait du... Attendez, je reviens. Il me faut du simple cuir orange. Tout comme là. Donc là, tac, on va bloquer. On va reprendre un petit groupe et partir chasser. Tour d'horizon. Petit tour d'horizon, on va reprendre un autre groupe de toute manière. Un groupe de 3, c'est largement suffisant. Quoique, on pourrait prendre plus que 3 pour aller là-bas faire du mammouth. On va en prendre plus que 3. Et on va aller se faire du mammouth ici. Voilà, ils sont là. Partez à la chasse, les gars. Par contre, faire le mammouth, on a un ours là. On va limiter les dégâts. Donc, éviter qu'il puisse nous attaquer. Voilà, et là, on devrait être tranquille niveau peau, niveau viande. Tranquille pour un petit moment. Donc, on revient ici. On ne l'avait pas bloqué. Il va nous refaire du leather. Mais pour ça, il a besoin de tanin. 14 points. Voilà, les champs tranquilles. Il va nous manquer un petit peu des fruits et des légumes. 3 moutons. Donc on est monté à 23, il y en a la place pour 20. Voilà, 15 points, plus que 5 points.
Fais vraiment tout ce qu'il faut. Plus que 4 points. Fais vraiment tout ce qu'il faut pour dire d'avoir les points. Pas assez d'espace pour les animaux. Et oui, c'est logique. Hop, toi la vieille femelle, désolé. Faut que je nettoie un petit peu les moutons. Ça se reproduit vite les moutons, hein. Essayez de pas toucher aux chèvres. Plus que 3 points. Plus que 3 points. Voilà, reconstruire une étable. Voilà, entre les champs ici, c'est bon. Voilà, il en a 26 pots. Je suis en train de faire les leathers. On a 3 mégalithes, donc on va pouvoir construire le dolmen. Hop, on le met là. On a un raid qui arrive par là. Voilà, on a eu un mort. Pas encore trop grave. Il nous faut encore 3 points. Avoir 3 chèvres. Faut qu'il me finisse mon étable. Voilà, avec un peu de chance, en récupérant cela, on devrait repasser des paliers. Voilà, on a la place. On a 25 animaux pour 32 places. Plus que 2 points. On est déjà à 28 minutes de vidéo. Pour l'instant, on doit aller chercher les cerises assez loin. Cerise ou poire, hein. On va savoir qu'on va pouvoir domestiquer cette partie-là aussi, hein. Et puis on va s'attaquer à la partie ici pour commencer à faire notre village, la deuxième partie de notre village. Ouais, niveau nourriture, on est vraiment mais tranquille. Vraiment que la paille qui m'inquiète un petit peu. On est limite chaque année, il y en a de plus en plus d'animaux.
Donc voilà, on n'ira pas plus loin au niveau des animaux, on va se rester à 30, hein, sérieusement, avec ce qu'on a là pour l'instant, tant qu'on n'aura pas fait de nouveaux champs. On va pouvoir refaire des nouvelles habitations aussi. Assez pour pouvoir le faire. Les vêtements tranquilles, hein, 46, 31 vêtements de base. Là, il nous ramène les dolmens. Le trader, qu'est-ce qu'il nous propose, le trader? Prendre deux pailles parce qu'on n'en a plus du tout en stock. On a du lait, de l'eau, du pain, de la farine, du blé. À la saison prochaine, on va pouvoir récolter tout ça. Là, ils sont doucement en train de construire ceci. Un dolmen de préparé. Ils vont avoir le deuxième à préparer derrière. Deux moutons en plus. Plus que un point. Donc on passe l'hiver et on est bon. On va pouvoir changer. Passer à l'âge suivant. Voilà, ils sont en train de préparer le mégalithe. J'ai dit dolmen, mais c'est mégalithe en fait. Voilà, on a le point. Donc on va pouvoir passer au Copper Age. Donc l'âge du métal. Et là, on va commencer à avoir plus de raids, comme vous venez de le voir, de l'entendre. Niveau résidence, rien de nouveau. Niveau stockage, le grenier, ben ça, on avait déjà. Rien de nouveau au niveau stockage, au niveau production. Eh bien, on va voir les mines de Flint. Le workshop qu'on n'avait pas juste avant. Qu'on va mettre ici. Et dans la métallurgie, voilà, la mine de copper. On a besoin, non, et là c'est du flint. Bon, là on a du copper, donc je peux aller directement faire miner le copper. Mais justement, à quoi me sert la mine de copper? Voilà, on va plutôt transformer ça en mine de copper. Ils n'ont pas de vêtements légers. Donc, c'est en train de se plaindre parce qu'ils n'ont pas de vêtements légers. Eh bien, on va vous les faire, vos vêtements légers, les gars. Vous inquiétez pas. Donc voilà, là maintenant on est tranquille, on va voir le bâtiment ici, ce qui va nous apporter. Deux troncs d'arbres. On nettoie un petit peu la zone, hein. Ils sont en train d'arriver, hein. Les mégalithes. Ici, on va pouvoir faire le workshop. On va voir un petit peu ce que ça donne, ce workshop. Et après, on va arrêter la vidéo là-dessus, hein. Cela, il y a
ça c'est le crafter, donc c'est pas du tout le workshop. Voir un petit peu ce que le workshop va nous réserver. Alors le workshop va nous permettre de faire des cannes à pêche, très bien. Faire des sledges, les cartes on peut pas, ça on peut pas. On leur fait des cannes à pêche pour augmenter la qualité de la pêche justement. Des gens qui n'ont pas des... Oui, mais ça va. Et des animaux, on en est à 30 maintenant en plus. Je pense qu'il va falloir reconstruire des maisons aussi. La mine, où en est-elle? Comme ça, on va terminer la vidéo là-dessus. Voilà, le bois arrive. On termine la vidéo sur cette mine, hein. On aurait été à 40 minutes sur cette vidéo aussi. Les points de savoir, ben vous voyez, ça augmente. Plus on a de ressources, plus les points vont arriver et augmenter, hein. Voilà, c'est du cuivre, hein. CU, copper. Et il y en a 62. Donc là, on va commencer à construire cela. On va se faire une zone pour faire du charbon aussi, parce qu'on va en avoir besoin. Voilà, on a le dolmen ici, enfin. On a gagné 2 points de savoir en mettant le dolmen. Shredder est arrivé. Et il a du copper. Ça vaut 3 le copper. Voilà, on a quand même 5 copper. On fait un stock de 10 maintenant. Voilà, 3 troncs d'arbres. Alors ouais, la limite va être de 10, hein. On va pas monter beaucoup plus haut. On va commencer à venir abattre par ici les arbres. Et vous allez me dire, j'avais dit que j'allais arrêter la vidéo. Et c'est ce que je vais faire maintenant. Voilà, les arbres seront abattus. Et on ne sait plus nourrir les animaux. Donc il va falloir qu'on refasse des champs. Les animaux vont mourir de faim. On n'a plus de quoi les nourrir. Donc voilà, ça ce sera dans la prochaine vidéo. Vous voyez qu'on a changé, on est passé à l'âge du métal. Et puis maintenant, ben voilà, on a trop d'animaux par rapport à ce qu'on peut avoir en paille pour les nourrir. Donc il va falloir refaire un champ, il va falloir retravailler là-dessus. Mais ça, ce sera dans la prochaine vidéo. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Et je vous dis à la prochaine. Bisous, bisous, au revoir.